Salut tout le monde, c'est Drox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je vais mettre mes écouteurs. Voilà, j'ai totalement oublié. Ils sont là-bas. Donc, parce que sinon, vous allez moins m'entendre quand je vais mettre la main sur le micro. Ça va vite me casser les couilles. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour. Je vais mettre mes écouteurs parce que ils sont emmêlés. Voilà. C'est super. Super, c'est super. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Voilà. Alors, s'il veut bien se mettre. Voilà. Oui, parce qu'ils sont vraiment tellement emmêlés, hein. Si je pouvais vous envoyer une photo, je vous enverrai une photo. Enfin, c'est pas sûr que je la mette, hein. Boum. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, on se retrouve du coup pour une map SCP que j'ai créée moi-même. Du coup, il y a juste des gens qui m'ont aidé, mais pas beaucoup. Donc là, on va juste créer. Oh punaise. Ce qui est bien maintenant, c'est que regardez, on peut mettre autant de props qu'on veut. Autant de props qu'on veut. Regardez, vous pouvez voir. Pareil pour les véhicules, mais bon, pour les véhicules, en fait, ça s'en bat littéralement les couilles. On n'en aura pas besoin. Donc là, on va mettre deux. Et passoire. Tac, tac, tac. Je vous avais fait, hein, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas rejoindre. Même si c'est tout. Ouais, non, je sais ce que je veux dire. Vous pourrez rejoindre la map à une seule condition que. Déjà, si vous voyez un nom qui est comme ça. CP. Tac, tac, tu fais ça. Après, tu vois là. Tu marques. Merde. Si vous voyez un nom comme ça. Oh merde, bon, ça marche pas. On va marquer plutôt non RP STP. Boom. Si vous voyez, merde. Si vous voyez un truc comme ça, bah vous connaisserez le code. C'est toujours 158, d'accord? C'est tout le temps comme ça. Donc là, on va load la map et on va prendre dans SCP. Voilà. Donc là, on va y aller. Et puis je vais à peu près vous montrer. Boom. Donc là, c'est le spawn. Voilà, un beau spawn. Mais bon, je compte m'acheter les packs, quoi. Tous les packs, hein. Mais je vais d'abord m'acheter celui du bas. Après celui du haut, après etc. etc. Et puis oui, si je marquerai Welcome, je ferai plein de petites décorations et tout ça. Bon, en tout cas, c'est du Privat, hein. Bon, j'ai pas mis en Privat, mais bon. Normalement, ce sera du Privat. Si vous faites de la merde, de toute façon, vous ferez exclure. Et c'est simple. Donc là, en fait, c'est si les... c'est non, la porte elle sera ouverte. Si le jeu est accessible, la porte sera ouverte. Si le jeu n'est pas accessible, la porte ne sera pas ouverte. Normalement, des chercheurs vous amèneront là. Donc normalement, il y aura des, voilà, il y aura les petites cellules normalement. Et du coup, vous serez ici, quoi. Vous serez dans ces cellules. Putain, j'ai du mal à tourner. Voilà, vous serez dans ces cellules. Voilà. Après, ici et ici, c'est deux entrées pour autre chose. D'accord? Donc cette entrée-là n'est pas terminée, mais celle-ci est terminée. Et du coup, je vais vous montrer. Bon, là, c'est pas terminé, là non plus, mais la salle pour le SCP est terminée. Donc là, on va rentrer. Pof. Ici, c'est pour les chercheurs, donc pour voir la salle. Donc c'est pour certains SCP qu'il y a ça. Ici, normalement, ce sera la salle du médecin là, de la peste. Celui d'ici, ça sera pour SCP 173, donc la statue. Et CP 80, 086, 96, et ça sera là-bas, tout simplement. Donc là, il rentre, et du coup, ici, il y aura le médecin. On peut mettre des petites chaises, peut-être. Enfin, voilà, il y aura une décoration que j'ai toujours pas faite, mais voilà, c'est bien cool. Et de toute façon, on pourra s'évader d'une manière ou d'une autre. Tac, on ferme. Pourquoi s'évader d'une manière ou d'une autre? De toute façon, il y aura deux étages de mur, donc. Des étages du mur. N'hésitez pas aussi à noter ma map, voilà. Donc ici n'est pas terminé et du coup c'est pour ça qu'on va la terminer tout simplement ensemble. Voilà. Ici ça casse. Pardon. Ici ça casse un peu les couilles, voilà. Alors donc ici ce sera la salle et du coup on va commencer par mettre une grande porte à la salle, comme toutes les salles des SCP. Paf, on va mettre déjà une grande porte. La grande porte.
Après, on va. Oui, voilà, c'est ça. On va. Taille. Alors, avec un petit tournant. Parce que c'est ce qui est le plus simple. What? Et j'ai vraiment beaucoup de mal à me tourner. Parce que des fois, mon. Enfin, voilà, ça. Des fois, ça se tourne. Je suis vraiment pas habituée au jeu maintenant, ce moment. Voilà, des fois, mon. Pour avancer, bah ça se met alors que je veux tourner, tu vois. Enfin, je sais pas si vous avez compris, je pense pas que vous avez compris. Là, on va faire spawner une plaque. Hop là, tac, on met ça là. Oui, donc ça sera bien sûr la deuxième de la journée. Hein. Merci beaucoup si vous les avez tous vus. Je trouve qu'il y a beaucoup. En ce moment, vous êtes beaucoup sur ma chaîne et je suis vraiment content parce que. Avec les bugs YouTube. Ça m'est arrivé sur une vidéo des bugs YouTube, mais que sur une seule des vidéos. Je peux pas vous dire laquelle parce que je me souviens absolument pas. Mais ça m'est arrivé sur qu'une seule vidéo. Et du coup, je suis bien content. Enfin, quand je parle des bugs YouTube, je parle des bugs YouTube pour moi et pas pour les autres. Enfin, en gros, j'ai jamais eu de bug au niveau des notifications des YouTubeurs, donc j'ai toujours reçu. Mais par contre. Je crois qu'il y en a quelques-uns de vous qui ne l'ont pas, qui n'ont pas reçu mes notifications. Hop là. Oh merde. Bah oui, complètement con. Complètement con ce que je viens de faire. Bah oui, bah oui. Putain, la concentration. Non, mais de toute façon, pourquoi je mets ça là? De toute façon, il n'y en aura pas ici. Alors. Ici, on va mettre un coin. Donc, pourquoi des coins? Parce que à chaque fois dans les CP, il y a à chaque fois des coins. Et comme ici, vous voyez qu'ici, eh ben, on va décaler un peu. Donc, je vous dirai plus tard pourquoi. Parce que à chaque fois dans un SCP, souvent, ils se mettent dans les coins. Par exemple, pour la statue, exemple. Hein. Ils se mettent dans les coins parce que c'est ce qui est le plus simple pour voir toute la pièce et pour surtout glitch la map. Donc là, c'est pas grave si c'est moche. Paf. Bah voilà. Bah je trouve que notre map est plutôt jolie pour le moment. Par contre, vous allez me dire, c'est qu'un détail, mais vous pouvez voir que là, on voit. D'accord. Donc on va bah, boucher. Et aussi, tout le haut sera fait. Vous verrez même pas le ciel, vous verrez rien. Si vous venez sur la map, ça veut dire que vous avez le code. Et je vous dis bien GG. Ça veut dire que vous avez le code. Voilà. Ça veut dire que vous avez vu ma vidéo. Parce que ce truc est. Mais bien sûr, venez avec des noms RP. Alors, bien sûr, je voudrais que vous veniez d'abord avec des noms comme. Comme classe D. Enfin, vous marquez classe D. Et, classe, déjà. Espace D. Espace. Un petit ray du haut. Encore un espace. Et là, vous marquez votre. Un numéro. Et puis c'est moi qui vous dira quand vous passerez SCP et tout ça. Enfin, expérience plutôt parce que SCP. Parce que SCP c'est la fondation. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, mais en fait SCP c'est la fondation. Et les monstres c'est pas des SCP, c'est des anotes. Enfin, c'est des anotes. Enfin, c'est des monstres. Enfin, c'est. Voilà, c'est des monstres, c'est pas des. Pas des. Des SCP quoi, tout simplement. Je sais pas comment dire ça, mais. Enfin voilà, c'est pas des SCP, c'est des. Des virus, non pas des virus, mais des. Enfin bref, voilà, je pense que vous m'aurez compris. Parce que je vais pas passer 3 heures. Hein, c'est moche. Boum. On va plutôt prendre ça. Voilà, boum. Boum. Donc là, on a déjà une salle. Ou ici ce sera 96. Je pense. Ici ce sera 96. Puis normalement dans la cage de 96 on les voit pas. Hein. On les voit pas, on les voit pas. Je veux voir si j'ai pas des toutes petites plaques. Ça serait bien cool si je pouvais avoir des petites plaques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour quelqu'un comme moi sans défense. Je vois ici s'il y en a des trucs. Oh merde. Franchement, ce pack il va être trop bien. Il y a même des trucs écrits Welcome et des trucs. Oh punaise, il va être trop bien. Il va être trop bien. Donc là, on a déjà 0,96, ce qui est très bien. Et là, je vois pas en fait pourquoi j'ai fait ça. C'est ça le problème en fait.
Ah oui, non, c'est bon, je sais comment. Non, parce que j'ai. Ouais, non, en fait, on va. Hop, hop, hop. Voilà. On va juste, bah, du coup, fermer. Je suis vraiment désolée, mais fermer, on va fermer. Même si, enfin, ça ressemble pas vraiment au. J'essaie de faire comme les cages, mais ça ressemble pas. Ça ressemblera pas vraiment aux cages, car les cages, ils sont surélevés. Et enfin, voilà, ils sont. Enfin, normalement, les cages, c'est. Comment ça? Un carré. Avec autour un autre carré, enfin une boîte quoi, avec bah, les CP dedans, et autour t'as le truc de la cage pour les gardes, c'est pour les, enfin c'est la cage de du SCP pardon, du SCP je sais plus comment il s'appelle, celui qui est avec la peste noire, qui dit que tout le monde a la peste noire, que personne là, que là n'est plus. Personne là maintenant, qui a disparu. À moins que non. T'imagines la révélation? Je vais voir si ça n'a pas endommagé. Non, c'est bon, ça n'a pas endommagé mon. Structure. Voilà, donc là. Attends, je vais faire Hatchoum. Même pas. Mais par contre, j'ai très envie, mais là, je le fais pas. C'est très bizarre. Donc, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker. De toute façon, il y en aura une autre sur ce petit truc. Et là, on va juste faire une vue aérienne. Wop. Voilà. Donc là, c'est à peu près. Merde. Bah, même si je le frise pas. Donc là, c'est à peu près bah, toutes les cages d'SCP. Voilà. Bien sûr, il y aura des trucs derrière. Il y aura des trucs qui feront tout le tour. Vous ne pourrez même pas. En fait, vous verrez même pas où vous êtes. Vous comprenez? Donc là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à partager. C'est Xerox. Ciao. Bye bye. Peace.